Bien, on se fait une nouvelle petite virée dans le Nether, histoire de trouver le nécessaire pour fabriquer des potions. Donc, ça va être bâton de blaze, verrue du Nether, et puis bon, on va voir si on peut trouver d'autres petites choses, une larme de ghast par exemple. Crème de magma, je ne sais pas si on la trouvera là-bas. Bref, tout ça, ce sont des éléments à aller chercher. C'est reparti. Et vous reconnaissez le portail que l'on avait déjà pris pour l'épisode numéro 6, avec cette jolie vue sur la forteresse, les pieds dans la lave. Alors, on m'a signalé qu'on pouvait éventuellement un jour utiliser ces petites choses pour marcher sur la lave. Je pense que j'essaierai, mais pas tout de suite. Il faut d'abord que je passe mon appréhension de la lave et du feu dans ce jeu, parce que c'est franchement, j'ai encore des mauvais souvenirs d'avoir perdu à mes débuts, à mes tout débuts, dans ces... Voilà, en prenant des gamelles dans la lave ou en prenant... des dégâts de feu importants. Voilà, bon, alors là maintenant, l'objectif, verrue du Nether. Donc, est-ce qu'on va avoir ça? Il y en avait à l'origine dans cette forteresse, mais je les ai pris et je les ai emmenés dans une un de mes bâtiments. Je pourrais retourner dans ce bâtiment et les récupérer, mais je trouve ça plus sympa de retourner par ici et de les chercher dans le Nether. Voilà, puis si par la même occasion on peut aller récupérer quelques points d'expérience, et eh ben pourquoi pas. Alors, est-ce que par là-haut. Alors lui, je vais le laisser tranquille. Non, ben, elle est là. Bah oui, mais non, il m'aime pas. Hein. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? J'en sais rien, moi. Allez, j'ai un bouclier, il marche, fonctionne encore. Voilà, toi. C'est fini pour toi. Alors voilà, on m'a expliqué hein, dans le Nether, ne t'amuse, enfin ailleurs non plus, quand tu mines, évite de miner sous tes pieds, c'est un coup à chuter. Alors ici, quand on chute, eh ben, c'est des descentes assez directes. Et puis ça peut être, comme dans le monde normal, on va dire, des chutes directement dans la lave, parce que la lave est en dessous. Dans le Nether, j'ai. Hop là, hein, niveau 40. Dans le Nether, j'ai eu aussi la chance, non, c'est pas la chance, j'ai observé que si on montait tout là-haut, alors j'ai pas pris ce qu'il fallait pour le faire, mais si on monte tout là-haut, bah, parfois on peut se retrouver avec de la lave là-haut, vous voyez, hein, celle qui descend par exemple là, et bah, il peut y avoir une poche de lave juste au-dessus de nous, et donc quand on creuse vers le haut, bah, on ne s'attend pas à ça, mais vous êtes dans le Nether, donc ça peut arriver. Allez, maintenant je me tais et je tente de localiser une zone où il pourrait y avoir des verrues du Nether. C'est parti!
Alors, nous voici arrivés dans une nouvelle zone. Ici, on est sur des sables, des blocs de magma. Mais je ne vois pas de verrue du Nether par ici. Il faudrait trouver une sorte de forêt. Une forêt de bois carmin. Je pense que c'était plutôt ça la zone. Mais j'aime bien cette zone-là, là, et je pense que je vais aller collecter un petit peu de blocs lumineux. La poussière lumineuse pourrait servir pour certaines recettes de potions. Potions que je cherche à fabriquer, je vous l'expliquerai dans un prochain épisode. Si j'arrive à faire ce que j'ai envie de faire. On va collecter quand même un petit échantillon de ça avec la pioche à toucher de soie, du basalte et de la roche noire. Ah, la roche noire! Je me souviens avoir vu, alors je ne sais plus où est-ce que je l'ai récupéré, de la roche noire sculptée. Bon, alors là, je vais me permettre une petite pause par ici. Pour récupérer ça, c'est super sympa. Vous l'avez vu, le ghast, il est passé par là. Il m'a pas tiré dessus directement, donc bon, il aura pas eu le temps. Si je pouvais aller récupérer sa l'arme, s'il en a sorti une, c'est pas obligatoire. Je vais aller voir ça. D'abord, je termine ici. Et puis, surtout, je vais tenter de ne pas perdre le nord et de retrouver là où je suis parti. Mais bon, peut-être que j'y arriverai pas et que. Ah, encore un. Eh ben, il n'y a plus. Ouais, je suis super prudent là. Enfin, je dis super prudent, et puis vous voyez un coup de pioche qui part à toute vitesse, et nous voilà
Oh là là, en bas, là, il y a des choses qui donnent envie. Alors, elle serait où? Là. Oui, c'est bien ça. Une larme de Ghast. Je crois l'avoir vue dans la fabrication d'une potion. Et de tête, je ne pourrais pas vous dire laquelle. Mais ça se retrouve. Il y a un très très bon visuel, une très bonne iconographie qui représente un petit peu toute l'alchimie possible sur Minecraft. Et je dois vous avouer que je l'ai imprimé. Ça donne envie de descendre. Enfin, pour récupérer ça. Allez. Et après, la verrue du Nether. Parce qu'à la base, c'est quand même pour ça que je suis venu. Vous croyez qu'au final, je vais pas la retrouver? C'est faisable. Hein. Je vais avoir pris 3 ou 4 niveaux et je vais pas avoir trouvé ce dont j'avais besoin et ce pourquoi j'ai venu ici. Bon, de toute façon, il va commencer à falloir. Ah, je voulais. Ouais, vous avez vu là-bas aussi. Là, il y a des jolies bottes, enchantées. Chaque fois que je viens dans le Nether, je me dis qu'il faudrait que je prévoie. Ouais, ça y est, je suis repéré, mais je suis de l'autre côté, donc il peut pas venir. Donc je disais, il faut que je vienne avec un coffre, enfin au moins un. Mais en même temps, je vais pas me balader avec un coffre, quoi. Alors on fait le chacal, ouais. Pouf. Et le deuxième. Pouf. Ouais, c'est pas cool. Je vous embête pas. Premier juré. Donc le quartz, je vais pas l'utiliser. En fait, même en faisant des blocs de quartz, je trouve pas ça très très joli. Tant qu'à faire, j'ai vu dans le Nether des blocs d'os, je crois. Et je préfère à la limite le blanc pâle de l'os plutôt que le blanc un peu cassé là qu'il y a quand on fait un bloc de quartz. À moins que un jour prochain on puisse tailler les blocs de quartz. Donc, peut-être qu'on peut déjà le faire. Et qu'avec des blocs de quartz on puisse faire du quartz poli par exemple. Et alors là peut-être qu'il y aura une texture un peu plus sympathique. Mais pour l'instant, le quartz ne me plaît pas. Ça ne m'a pas empêché d'en emmener avec moi. D'en ramener, on va dire, plutôt que d'en emmener, on n'emmène pas. Oh la vache. Bon. Voilà. Bon, allez, maintenant. On recherche la route de la maison. Ouais. Le premier qui me dit par où faut aller, il a gagné. Ouais, mais il faut que j'arrête d'être attiré par tout ce qui brille. Pour l'instant, on va tenter par là. Peut-être se faire une petite ellipse, je vais continuer à chercher ma route. Ouïe, aïe, aïe. En essayant de ne pas avoir d'aventure extraordinaire comme celle-ci, saleté. Et puis on se retrouve dès que j'ai trouvé une sortie. A bientôt. Bien, nous voilà de retour avec là-bas au loin. Un portail. Ici on retrouve la forteresse et bah, juste derrière moi un autre portail
mais celui-ci, je n'ai pas. Je ne sais pas où est-ce qu'il va m'emmener. Alors, on le prend. Et nous voici au bord de l'eau. Si, d'accord. Je vois, je sais où est-ce qu'il nous a emmené. Ouais, comme vous pouvez voir, j'ai déjà trouvé pépite de fer. Alors, je pensais que c'était des larmes. Bon. Non, je... Ouh, ça c'est joli. Oui, si. Non, bah oui, bah voilà. Si, j'ai de la place. Mais il faut que je récupère précisément celle-ci. L'obsidienne pleureuse. Voilà, bon, alors on va y retourner là-dedans. Que faire, que faire, que faire? Ouais, on va se débarrasser un petit peu de ça. On va reprendre ça. Ouais, c'est vraiment cosmétique, hein, mais... Voilà. Purement cosmétique. Ah, la petite dalle, là, c'est dommage. Allez, on y retourne. Puis on va essayer de passer par l'autre. Celui qui est tout en bas. Alors, avec mon aversion... Ouais, mais non, ça pue, là, quand même. Mon aversion pour la lave, je ne vais pas descendre... Comme ça, ici c'est ok. Oh, j'ai eu un sentiment de vide là, horrible. Waouh, non, eh ben écoutez, je ne passerai pas par là. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, ben, tu fais n'importe quoi. Si je passe par là, je peux descendre là-bas, je pense. Ouais. On va tenter quand même. Yahoo! Ouf! Et pourquoi je fais ça? Pour aller taper du squelette? Non, pas par là. Oui, mais oublie. Oublie les bêtises. Quoi? Qui c'est qui me frappe? Ah oui, c'est bien lui. Ne me dites pas que j'étais juste là-haut et que j'ai fait n'importe quoi pour descendre par là. Oh, j'ai honte. J'ai honte de ce que j'ai fait. Bon, alors, mes amis les poulets, vous êtes bien sympathiques. Là, je suis paumé. Dans ma tête, c'est du gros n'importe quoi. La sortie. Elle n'est pas par ici. Alors quand je parle de sortie, hein, je parle de la sortie par laquelle je suis arrivé. Dans ces cas-là, c'est plus une sortie, c'est une arrivée. Mais non.
C'est par là. Bon, et ben avec tout ça, vous savez quoi? Mais oui, bien entendu, je n'ai pas récupéré de verrue du Nether. J'ai tous les éléments ici très intéressants. Mais ce pourquoi j'étais parti, et ben je ne l'ai pas trouvé. Bien, alors on va faire un peu le ménage, préparer les tonneaux de manière à pouvoir stocker tout le matériel qu'on récupère dans le Nether. En mettre un ici tout de suite, comme ça, dès qu'on est sorti, hop, on colle tout ça ici. Et puis il va falloir préparer les différents matériaux. Ici, je récupère tout ce qui va pouvoir me servir de manière à coller ça ailleurs, que ça soit un petit peu plus organisé. Ça, je l'emmène avec moi. Ça ira directement dans la maison de l'alchimiste. C'est par là-haut. Ça, on récupère, c'est bon. Zou, direction la maison. Voilà, on y est. Un dernier petit rangement et puis on va s'arrêter là pour ce premier épisode des Verrues du Nether. Et puis je vous dis à très très bientôt parce que je vais certainement continuer de suite la vidéo.